Et il y a des gens qui sont morts. Alors je vous invite, venez le 8 mai. Venez, parce que c'est là qu'il faut venir. Pour voir un peu le début de votre histoire. Parce que l'histoire, elle commence là. Parce que si, là, les gens n'étaient pas morts, ben vous seriez en Germanie, comme disait Sardou. Et vous n'auriez pas le droit de faire ce que vous faites. Bon, voilà. Alors la liberté, c'est la liberté. Elle commence par écouter les autres. La tolérance. Il y avait les collabos et il y avait les résistants. Hein? Voilà. Et à l'époque, il y avait les listes aussi, pour dénoncer les juifs et dénoncer les communistes. Ben, regardez un peu l'histoire. Reprojetez-vous. Et puis après, vous pourrez venir discuter. Mais aujourd'hui, vous allez à la plage, vous allez où vous voulez. Mais vous n'êtes pas à nous emmerder. Merci. J'aime pas ça, mais c'est vrai que la finalité de la chasse, c'est de tuer des animaux. Je dis pas que t'as tort sur tes idées. Je suis pas en train de te cracher dessus. Je respecte tes idées. L'ambition que vous avez dans un truc. Bah si, c'est de sauver des animaux. C'est ça qui m'épate. Bah après, ils défendent leur cause. Et en fait, s'il y a des cerfs aujourd'hui en Bretagne, c'est grâce à qui? Il n'y avait pas de cerfs. On a réintroduit. Alors c'est vrai que c'est contradictoire, mais on a réintroduit des cerfs en Bretagne parce que. Oh putain. Mais il n'y a pas de discussion sur ça, je ne pense à rien. Est-ce que j'ai été correct, Pascal, ce que j'ai dit? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu d'armes. Mais. Non, continuez à rester comme ça. Repartez sur vos points. Voilà. Non, mais qui se pointe les gens pas vont repartir également. Monsieur, excusez-moi mon adjudant, mais qui se pointe pas là, ça va mal se passer. Vous aussi, vous êtes contre la chasse à coups? Oui, c'est ça. Vous aussi? Voilà, oui, c'est dégueulasse. Vous êtes de cette commune? Oui, tout à fait. Je suis de cette commune et je suis adjoint au maire. D'accord. Donc vous n'êtes pas du rallye armand. Hein? Ah si. Je suis membre et ami de l'équipage. Je suis ami de l'équipage. On va se voir cette fois. Haut et fort. Mais ça me fait plaisir que vous me le dites. Ça me fait plaisir que vous me le dites. On verra si vous mangez votre soeur. Si vous avez la faim. Bien sûr. Okay. Demain vous allez interdire les chevaux d'aller se balader. J'avais rien prévu pour demain. C'est bon. Non mais vous marchez sur la tête.